Ça, je peux vous dire que oui. Chers collègues, pour qui la science ne veut plus rien, cher public, qui à première vue ne détourne pas l'eau, mais plutôt le vin, bonjour! Eh oui, joyeux anniversaire! Aujourd'hui, un ami proche de Dédé Manoukian fête ses 50 ans. Moi, que dis-je, un ami, c'est beaucoup plus qu'un ami, c'est même un frère spirituel. Bon anniversaire, Jean-François Copé. Voilà. Eh oui. Je savais pas. C'est bon, André, vous avez, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai bien souhaité l'anniversaire. Alors, ils sont très proches, mais il y a un peu de retenue de la part d'André. C'est vrai qu'il joue un peu, il joue du piano, Jean-François Copé. Tu l'as déjà vu, Richard Vandac, jouer du piano? On a même fait un quatre-mains, je vois. C'est pas vrai. Ouais. Bon. Encore une anecdote passionnante d'André Manoukian. Je sais pas quoi dire, c'est pour ça que je suis pris au dépourvu. Alors aujourd'hui, c'est également la journée mondiale du rire. Ah oui, un seul mot d'ordre, marrez-vous. Mais oui, bon Dieu, on vous le dit, faites-le. Mais quelle bande de débiles, ceux qui décident de ces journées. Journée mondiale du rire, quelle bande de cons. Vous croyez vraiment que la période est au rire? Comme tous ces gars-là qui écrivent des bouquins sur la positive attitude. Voyez la vie du bon côté, pensez que demain sera un jour meilleur, ayez une pensée positive par jour, tout ira mieux, profitez du soleil pour vous ressourcer. Non, ça marche pas. Ta femme te quitte, t'as une cirrhose, tu perds ton boulot, tes enfants te traitent de con. Bah, je suis désolé, même s'il fait beau dehors, que les oiseaux gazouillent et que les fleurs bourgeonnent, ça console pas. Déjà, quand tout va bien, les oiseaux, je m'en tape, les fleurs, je marche dessus, alors vous imaginez, hein, si ça va pas. Si ça va pas, j'ai envie de catastrophe. J'ai envie qu'il pleuve, que mes voisins tombent malades, que Patrick Fiori sorte un nouvel album. Les oiseaux et les bourgeons m'insupportent, le bonheur des autres m'exaspère. À la télé, je veux voir des guerres, de la famine, des tsunamis, des épidémies, des programmes Énergie 12. Voilà. Quand je croise quelqu'un qui a le sourire quand tu vas mal, qui cherche à te réconforter, moi je le déteste. La Sega, là, qui te regarde en disant « Oh, mais c'est passager tout ça, demain ça ira mieux ». La roue tourne, reste optimiste. Quand la santé va, c'est le plus important. Et puis on est là, nous, tes amis. Je pourrais les buter, tous ces apôtres de l'optimisme aveugle et dégoulinant. La dernière fois que j'en ai croisé un, j'étais direct avec le mécréant en question. Non, ça ira pas mieux demain, demain ce sera pire. Elle tourne pas la roue, elle est bloquée la roue. Et puis pour avoir la santé, t'es malheureux. Mais ça sert à quoi de dire ça? Être en forme pour pouvoir rien foutre parce que t'as pas de pognon, pas de femme, pas de projet, c'est ça le bonheur? Des amis comme toi, j'en ai pas besoin. D'ailleurs t'es plus mon ami, t'es un abruti à qui je souhaite la peste et la syphilis. Un licenciement sans préavis et sans indemnité. Ta femme serait moins moche, je coucherais avec, rien que pour t'emmerder. Le seul truc qui ira mieux demain, c'est que je verrai plus ta tête de con. Merde à la fin. Oui, vous êtes d'accord avec moi, vous avez raison, vous êtes des gens de goût. Allez, merde, on va quand même pas être heureux et de bonne humeur le jour de l'anniversaire de Jean-François Copé. Allez, pour terminer quand même, que je me le dois, une petite note d'espoir dans ce monde de médiocres. Aux États-Unis, un ancien leader du mouvement fantaisiste, appelé le Ku Klux Klan, a récemment fait preuve d'ouverture d'esprit. Ah ben ça se souligne, hein. Convaincu de la suprématie de la race blanche et de l'abomination de l'homosexualité, il s'est fait gauler à l'arrière de sa voiture, en train de s'envoyer en l'air avec un grand noir habillé en femme. Ah ben, ben oui, je dis bravo. Bravo monsieur, ça c'est de la rédemption. C'est de la rédemption, et en plus, ça rassure certains des membres de l'équipe. Tu vois, André? Comme tu l'as fait à Bourges il y a des jours, c'est pas grave de passer la nuit sur une banquette arrière avec une groupie de province. Même si au petit matin, tu te rends compte que sous la perruque, c'était Richard Lornac. À demain. Merci, Daniel Morin.